tout le monde, c'est Akimbo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo du jour est assez intéressante car vous me l'avez tous demandé. Ce jour-là, que se passe-t-il? Eh ben écoutez, je suis en cravate avec Mister Adidas. Oui, en fait, il y a une racaille et il y a une racaille. Salut, c'est les dents Hakim. Tu connais Hakim? Oui, c'est Hakim. Bon, et oui, tu savais pas qu'il s'appelait Hakim? Oui, il se tirait d'autres choses bientôt. Mais pour l'instant, tu peux pas savoir. Puisqu'en fait, toi tu likes pas la vidéo. Donc, attends, je suis là. Donc, faut que tu likes les vidéos, tu vois. Si tu likes les vidéos, je t'aimerais bien. Sinon, t'es un bâtard. Parce que la dernière fois, quand je vous demande pas de liker, vous likez pas en fait. Du coup, là, je vous demandais de like. Parce que si vous m'aidez, moi je suis content. Du coup, attends, je suis là. En fait, ce qu'il faut faire, la vidéo du jour, c'est quoi? Vos pires hontes. Parce que l'intro, elle était nulle. Du coup, je me suis dit, attends, je m'inscris dans la vidéo de Akimbo. De Hakim, ta gueule, toi, c'est pas Akimbo. Ouais! Ah non, pardonnez-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi. Allez, salut. Et du coup, ce que j'ai à vous dire, c'est qu'on va commencer par Tiffen. Si j'ai bien compris, faut envoyer sa pire honte. Bah bien sûr. Ok, d'accord. Mais la mienne, j'ai vraiment honte. Tellement honte que peu de gens la connaissent. À cette heure-ci, j'ai 15 ans. Oui. Tu vois, et ça s'est passé quand j'avais 5-6 ans. Ou ça reste gravé dans ma mémoire. En fait, j'avais un ensemble débardeur, jupe blanc et rose barbier. Barbier. Tu vois la mode des petites et tout. Oh là là, bégé, bégé. En fait, c'était en été. Il y avait tout le monde dehors, sauf moi qui dessinais. Bref, mon père, il m'a toujours dit de me lécher. De me lâcher. Et tout, donc, chez moi, je me lâchais, quoi. Et donc, je pensais que j'avais envie de péter, quoi, et j'ai un peu forcé, et en fait, bah voilà. Il était foutu. Ah, elle fait caca. J'ai vraiment honte, sérieux, t'es fou pas de moi, j'étais petite, mais j'ai grandi. Elle est partie, ah, elle a vraiment tout lâché, elle a lâché mon lec, ah. Je m'imagine à ta place. Moi. Mais est-ce que t'étais toute seule ou avec tes copines en fait? Mais non, elle était toute seule dans ouais, sa maison. Ce qu'elle a dit. En plus, c'était un nouveau truc, tout ça, BGBG. Et bah, au final, quand tu gâches ce que t'as de nouveau. Elle a dû avoir trop le seum, je pense. Imagine, tu veux péter, tu lâches ton truc. Ah. Comment tu te sens chez toi? Comment tu vas te sentir toi? Bah, gêné. Même si t'es tout seul. Mais non, elle était avec son père. Ouais, mais son père, il a pas dû le voir. J'aimerais pas être dans ta situation car c'est très très gênant. Très très ouais. Gênant, surtout dans les nouveaux habits. Wow. Ok, sa pire honte de Gabi. À Skip, quand j'étais petite, je faisais de la gym dans les magasins. Eh oh. Bah, c'est pas une. Bah, si tu savais, moi, tu sais, quand j'étais petit, je faisais quoi? Genre, je me posais dans le truc de. Genre, tu vois, j'étais assis dans le caddie et je faisais nimpe. Toi, tu faisais quoi, genre? Bah, moi, je m'assois. Ouais, bah, tu faisais pas des conneries? Bah. Ah, si, quand t'étais assis, moi, j'arrivais, je te mettais des claques et je me cassais. Étant petit. Si, toi, t'étais pas là, toi. Okay. Ouais, mais moi, je te claquais, toujours. Lucie, salut. Donc ma pire honte, c'est ma grand-mère qui me l'a raconté. J'étais petite, je devais avoir 4-5 ans. On était parti dans un petit parc. Il y avait une place au GSR. C'est quoi un GSR? Au GSR. Ouais, vas-y, on va dire GSR. Ouais, voilà. Algérie, ouais. Non, pas au GSR. C'est trop compliqué pour toi. Et je devais aller aux toilettes, mais les toilettes d'un parc, c'est hyper... Ah, c'est un parc! C'est toi qui es con alors! Sale con, va! Mais c'est un parc! Sale con, va! Parce que tu es trisomie! Mais les toilettes d'un parc, c'est hyper crade, et donc je me suis pissée dessus. Ah, devant tout le monde. Voilà, voilà, c'est mon tueur. Continue comme ça, je te quitte. Mais arrête de lire rapidement! En gros, explique l'histoire, vas-y! En fait, elle était partie dans un parc, et elle avait envie de faire pipi. Et vu que les toilettes vu que les toilettes du parc étaient dégueulasses, bah elle s'est pissée dessus devant tout le monde. On bat les couilles, frère. Attends, on va la refaire. Non, c'est bon. Bah tu OK. En fait, d'après ce que j'ai entendu, Lucie est partie dans les toilettes. Elle était dans un parc. Elle était dans un parc, elle a trouvé que c'était crade. Et au final, elle a pissé dans un truc. Elle a pissé dessus. Elle s'est pissée. Et ouais, et du coup, il s'est passé quoi? Rien. Elle s'est pissée. Ah, devant tout le monde. Bah écoute. Elle avait 4-5 ans, c'est bon. Ouais, j'avoue que quand t'as 4-5 ans, c'est bon, mais après, c'est pas très très déodorisant pour les gens qui sont autour de toi en fait. C'est ce que je veux dire. T'es trop. T'sais. Ouais, vas-y. Là, c'est coma. Alexandre,
Ça c'est à moi de le dire. Yop. Je crois que ma plus grande honte, c'est que quand j'ai voulu faire le bonhomme, on allait essayer de gérer une meuf. Ah ça c'est tranquille. Mais je me suis pris un gros vent. Bon, comme tout le monde, hein, ça arrive à tout le monde. Hein. Et en plus, devant tous mes potes. Ça fait plus mal. Imagine, tu veux gérer ta meuf. Mets-toi dans un mec qui veut gérer une meuf, tu vois. Genre, ouais, elle me plaît, ouais, tatati, tatata. Et là, elle te dit non, dégage de là. Et en plus, t'es posé avec tes potes. Bon, au bled, c'est tranquille, parce qu'au bled, ils font ça H24. Mais là, en France, je pense que c'est la honte de ta vie, en fait. Ouais, voilà. Surtout bref, pour un petit âge comme toi, tu vois. Il avait quel âge? Oh, je sais pas, moi. Il l'a pas dit. Shiny, c'est pas une grosse honte. Mais quand même, c'était il y a 3 ans. On était dans une résidence pour les vacances. On s'en fout. En bas, il y avait une soirée dansante dans une salle Zama. Et c'était juste la fin. Genre Zama, tu vois. Zama, Zama, Je voulais rentrer dans la salle. Mais j'ai cru que la porte était ouverte. Ouh, j'ai les lèvres violettes. Continue. C'était une espèce de véranda. Du coup, je me suis prise en pleine tête. Je me la suis prise en pleine tête devant environ 100 personnes. J'ai encore mal. Rip, repose in peace. Let's see you again. Rest in peace. Let's see you again. On dirait... Voilà, c'est bon. Tu m'as pas suivi, t'es nul. Bon, moi, ma pire honte. Ah oui. Par exemple... S'il y a quelqu'un de ma famille qui veut regarder mes vidéos, bah j'ai honte quoi, parce que c'est... Je suis pas sûr qu'il va aimer encore ça en termes de dessin, tu sais que ça peut... Il y a pas ta tête. Mais là quand il te voit en train de parler, tu te dis merde, non, est-ce qu'ils vont apprécier tout ça? Bon certes c'est pas une honte, mais c'est quelque chose qui te rend timide. Enfin bref, c'était Akimbo. Mon petit frère est parti, il m'a laissé un like pour qu'il revienne. Un dislike si vous l'aimez pas. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Les liens dans la description, n'hésitez pas à me checker. Et me rejoignez sur les réseaux sociaux. Et pour une prochaine, vos pires conneries. Qu'est-ce que vous avez fait? Ou sur Snap ou sur Twitter, vous m'envoyez et moi je récréerai. Vas-y sur Twitter, parce que sur Twitter c'est plus bon en fait. Regarde, sur Twitter vous m'envoyez ça. Et je le prends. Et peace. Écoutez, c'était un plaisir de vous parler aujourd'hui. Rabbi Tsallah Fraskom, Chai Boy Simir, c'était Hakimbo et peace out. What the fuck?